Attendez que les gens s'apprêtent. Vous venez de déposer votre candidature. Qu'est-ce qu'il y a comme problème pour retenir? Ils retiennent le fait que le processus est irréversible et que donc les rapports de femmes ne devront aller aux élections. Mais et j'ai eu pris le temps de discuter avec le président Assini. Comme vous le savez, il y a le problème de la machine à voter, mais il y a le problème du fichier électoral. Il est bon pour qu'on aille aux élections de manière apaisée, qu'on puisse trouver un consensus sur ces deux points. Qui pose un sérieux problème. Vous connaissez les divergences au sein de la classe politique et sociale sur cette question de la machine à voter qui n'offre pas beaucoup de garanties, ce qui ne permet pas non plus au grand nombre d'aller voter de manière la plus transparente et crédible possible. Il en est de même de la problématique fichée de fin consensus de la classe politique et sociale pour qu'on aille aux élections de manière apaisée. Alors, vous vous déposez pour quelle partie? Nouvel élan est réclamé par le Panico. Nouvel élan, c'est un slogan, c'est un message, c'est pas un parti politique. Il faut faire la différence entre un parti politique qui est une personne morale et qui s'enregistre et un slogan, un message. On sait que les politiques congolais s'entremêchirent souvent. Vous parlez du consensus, ça vous prendra combien de temps? Le plus rapidement possible, hein, on peut résoudre ces problèmes-là, il suffit qu'on organise une petite consultation pour que la discussion se mette très rapidement. Ce geste ne vous éloigne pas de plus en plus de votre parti politique, le PALU? Non, mais le PALU, vous parlez de quel PALU? Le PALU, c'est un parti. Moi, je suis militant de ce parti politique. Il faut faire une différence entre les PALU d'en haut, les PALU des dirigeants et les PALU de la base. Et cette base-là, elle est d'accord avec moi et comme le patriarche Antoine Gizenga a levé l'option que le PALU présente les candidats à tous les échelons du pouvoir. C'est ce que j'essaye de faire. Voilà, et donc tout ceci en accord avec la base et en accord avec le patriarche Antoine Gizenga. Vous avez été chef du gouvernement au Congo Kinshasa. Pourquoi pensez-vous que le Congo doit vous faire confiance pour leur apporter la paix et le pardon? Les Congolais savent que ce que j'ai trouvé, quand j'arrive au pouvoir, c'est-à-dire comme chef du gouvernement, chef de la coalition en 2008, qu'est-ce que je trouve dans les comptes publics de l'État au niveau des agrégats macroéconomiques et en partant, qu'est-ce que je laisse et qu'est-ce que les autres qui nous ont suivis ont fait de ce que nous avons laissé comme héritage. Et c'est pour cela, je pense que les Congolais, au moment de cela, mais pour ce qui est bon, pour la personne. D'autres sources disent que le parti central de Gizenga n'était pas d'accord avec votre candidature. Je vais le confirmer. Est-ce qu'ils peuvent l'attester? Est-ce qu'ils peuvent le démontrer? Non. Voilà, moi, je suis en train de faire la mona mboka.